C'est une information qui a l'air plutôt sérieuse parce que bon, ça ne sort pas dans des médias fantaisistes. Pour les rumeurs qu'on a pu avoir par d'autres sources, a priori, il y a effectivement des gens qui s'activent pour essayer de créer quelque chose autour du club et de faire bouger les choses. Donc on verra bien. Après, ce qui est sûr, c'est que Olivier Sadran, on sentait sa lassitude. On sentait son envie de se séparer du club puisque c'était les premières fois où il affirmait publiquement que le club était à vendre. Donc que la rumeur d'un rachat soit là, c'est pas plus surprenant que ça. Et après, à savoir si ce sera une bonne chose ou pas, on va attendre de voir qui exactement est derrière le projet et quel est effectivement le projet qui va aboutir. De toute façon, il fallait du changement au club, ça c'est sûr. Après, à voir quel est le projet, sur quoi ils vont se projeter, quelle est l'ambition, quel est le format de club qu'ils vont vouloir monter. Ça, on attendra de voir s'il y a une nouvelle direction et ce qui en sortira.